tu lâches le haut et tu tires. Et ta nappe est bien positionnée. Les jeunes intègrent la MFR, ils ont un contrat d'apprentissage, ce qui signifie qu'ils ont un contrat en CDD de 2 ans avec une entreprise dans la restauration ou dans la pâtisserie. Donc ce sont de vrais salariés, ce sont des employés comme les autres. La force de la maison familiale rurale de la Roque d'Anthéron, c'est effectivement ce côté pratique où les jeunes ont un volet théorique, mais ce volet théorique est quand même réduit par rapport à un enseignement général et il est accentué sur le côté professionnel. Et c'est ce côté-là qu'ils viennent rechercher. Ils se retrouvent dans la vraie vie tout au long de leur formation pendant le cycle. C'est pour ça qu'ils viennent. Ici a été organisé sur le côté professionnel de la même manière que dans la vraie vie, puisque nous avons d'un côté une salle de restaurant avec un responsable de salle qui manage les apprentis qui sont en apprentissage dans le cadre du service. Et puis de l'autre côté, nous avons dans la cuisine pédagogique un chef qui gère sa brigade d'apprentis qui sont là pour apprendre la cuisine. Comme nous avons un restaurant d'application, ce qu'ils apprennent ici et qu'ils mettent en œuvre est servi directement aux clients. Donc nous avons un retour immédiat. D'un côté, le volet en entreprise et de l'autre côté, le volet dans le centre de formation professionnelle qu'est la maison familiale rurale de la Roque d'Anthéron. C'est ce qui fait la réussite d'un apprentissage pendant un cycle de formation de 2 ans.